Bonjour, donc nous continuons avec l'exercice numéro 2. On va faire la question numéro 4, réécrire l'algorithme en remplaçant la boucle pour par la boucle tant que. Donc on ne fait pas la boucle répétée, donc vous n'aurez pas ça, la boucle répétée au niveau de l'examen. Donc on va faire la boucle tant que. Donc ici, il nous demande de réécrire l'algorithme, c'est pas réécrire le programme Pascal. Donc si il nous demande de réécrire le programme Pascal, il faut faire le programme Pascal. Il faut faire très, très, très attention. Donc ici, c'est-à-dire on prend le programme Pascal que nous avons eu ici. On va essayer de faire les deux, ça va vous arranger les deux. Donc on va faire tout d'abord l'algorithme. Donc premièrement, je vais réécrire cet algorithme en remplaçant cette boucle. Donc je vais, ça, réellement, ça sera le même algorithme. Donc je vais zoomer comme ça. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la boucle pour i reçoit 1 jusqu'à 1, c'est ça qu'il faut remplacer avec le avec la boucle tant que. Donc premièrement, i reçoit 1, ça devient une instruction à part. Donc ici, je vais faire ça, i reçoit 1. Donc c'est une instruction à part. Après, ici c'est tant que. Ici c'est faire. Donc ici, i, il doit être inférieur ou égal à n. C'est ça la condition de la boucle tant que. Tant que i est inférieur ou égal à n, on va faire cette instruction-là. On va faire cette instruction. Et ici c'est fin tant que. Attention ici, il ne faut pas oublier d'incrémenter la variable i. I, il faut l'incrémenter pour que si i égale à 1, la prochaine itération, ça va devenir 2. I reçoit i, donc i reçoit i plus 1. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Donc les modifications, c'est quoi? Donc ça là, c'est la première chose, c'est que i reçoit 1, ça devient une instruction à part de la boucle pour. Pour i reçoit 1 à 1, ça devient i reçoit 1. Après pour, ça devient tant que. A, on le supprime, et on va remplacer A par le symbole. La variable i inférieure ou égale à n. Donc ça devient une condition ici. Faire. On ne fait pas point-virgule ici, attention. On laisse toutes les instructions de la boucle pour ici. On laisse toutes les instructions. Par la suite, on incrémente le compteur, il faut ajouter ça. Et à la fin, fin tant que. Donc j'espère bien que c'est clair. Ça, c'est concernant l'algorithme. En ce qui concerne le programme Pascal, c'est la même chose. Donc, il reçoit 1. S'il vous demande de faire programme Pascal, il faut réécrire le programme Pascal en remplaçant cette partie-là. Donc, il reçoit 1, ça devient une instruction à part. Après ici, while, i inférieur ou égal à n, d'où s reçoit s plus p sur i, p reçoit p fois le carré de s. Par la suite, il ne faut pas oublier, i reçoit i plus 1, sinon ça risque d'avoir une boucle infinie. Très bien. Donc voilà, voilà les modifications. Donc si vous écrivez le i en majuscule ou bien en minuscule, c'est la même chose. Les espaces, ils ne sont pas obligatoires. L'essentiel, il faut organiser comme ça. Pour savoir que la solution, elle est correcte, je vais exécuter ce programme Pascal. OK? On va donner 4 et 2. Normalement, on doit avoir la même valeur de déroulement que nous avons fait déjà avant. C'était 97,33, bien 333, 3333. On va voir. Exactement, on a eu le même résultat avec la boucle tant que. Donc, ici, c'est while, ici. Donc, ce que je voulais dire à la fin, ici, il faut faire très attention. S'il vous demande programme Pascal et réécrire le programme Pascal, donc, il faut écrire le programme Pascal. Il faut écrire ceci. D'accord? S'il vous demande de réécrire l'algorithme, il faut écrire ça. Donc, il ne faut pas remplacer l'algorithme par programme Pascal ou bien programme Pascal par l'algorithme. Donc, il faut répondre exactement à la question demandée. Sinon, ça risque que vous allez avoir un zéro sur cette question. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.